J'ai choisi le conte car mon but était de vivre dans un monde imaginé, pas imaginaire. Mais vous savez, notre imaginaire a été tronqué puisque on nous a donné des éléments d'une culture qui n'est pas la nôtre. Il fallait bien remettre les pendules à l'heure, redonner au peuple des éléments de sa culture et de sa vie de tous les jours, de son environnement. Mon inspiration vient beaucoup de mes souvenirs d'enfance, tout d'abord, d'une situation, un oiseau qui passe, une feuille qui tombe, un nid de fourmis, une situation, et mon imagination fait le reste. Mais surtout, je m'inspire beaucoup de notre histoire, de l'histoire de notre peuple, de nos peuples. Car notre histoire n'a pas commencé en 1848, comme souvent on le croit. Elle a commencé il y a des siècles, ailleurs. Alors, n'oublions surtout pas qu'un conteur maintient la mémoire du peuple.